sommes jeudi, les 8h28, je vais pas tarder à y aller. Je suis un peu dégue, je viens de recevoir un message de Chronopost me disant que mon colis allait arriver entre 8h15 et 9h10. Sauf que là, bah, je vais partir en fait. Donc bon, ce serait un petit colis à aller chercher en relais, voilà. Là, il me faut un truc qui s'appelle mon petit portfolio que je dois emmener en stage, que j'oublie depuis le début de la semaine, je sais pas pourquoi. Enfin bon. Hello! Bon, me voilà rentrée. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui j'étais de journée. Donc, je suis allée à la formation cet après-midi. On a vu un film sur un hôpital psychiatrique et c'est un pédopsychiatre qui nous a fait l'intervention. Donc, il nous a parlé plein de trucs. C'était intéressant. Voilà, donc là je rentre chez moi. Bon, j'ai un colis dans la boîte aux lettres, mais il a dû rentrer pile poil. J'arrive pas à le ressortir. C'est un peu embêtant ça. Le truc ne passe plus. Et du coup je vous avais dit que c'était Chronopost je crois, je sais plus, qu'ils devaient m'envoyer un colis là, enfin que je devais avoir un colis ce matin, j'ai vu qu'ils m'ont appelé. J'ai un colis dans la boîte aux lettres et aucun avis de passage, donc est-ce que c'était ce colis? Du coup je vais regarder les numéros de colis. C'est pas le même numéro et il m'a dit au téléphone que mon colis serait à la poste par exemple chez moi. Mais j'ai pas d'avis de passage, donc je l'ai regardé aussi dans mes mails aussi avant. Bon, j'ai un mail, enfin j'ai pas de mail me disant où il est exactement. Et quand je regarde le suivi, ça me met colis en attente. Que le colis sera déposé en relais dans un délai de 24 heures. Donc bon, on va patienter. C'est un peu bête parce que là, je dois aller à la poste, comme je vous l'avais dit, pour mettre mon chèque et envoyer le reste des colis. Du coup, je vais y aller directement maintenant. Du coup, là, j'ai 3 colis à envoyer puisqu'il y en a une, enfin 2 qui m'ont pas répondu. Dont une des deux, c'est celle qui m'a dit « Oh, aucun intérêt de faire un concours et tout ». Donc peut-être qu'elle est vexée, qu'elle ne voudra jamais me répondre, j'en sais rien. Du coup voilà, là j'ai 3 colis. Et il m'en restera 3 à renvoyer en comptant la personne qui le colis était revenu dans ma boîte postale en fait. Mais j'ai pas encore repréparé son colis parce que du coup je vais tout remballer. Enfin bref. C'est un petit peu la galère. Et je vais prendre mon chèque et puis go. Puis j'ai l'air un petit peu oublié mais il me faut aussi... carte bancaire, tout ça, sinon ça va être compliqué. Bon, je suis rentrée, j'ai posté les colis et bête comme je suis, j'étais sortie dehors sans le chèque, bref. Là, on va ouvrir le colis du coup que j'ai reçu. Je me suis préparé un film aussi. Je sais plus où j'ai vu la pub, bref. Le film Mon Poussin, voilà, c'est pas un film de ouf, mais du coup, je vais me regarder ça. Voilà, j'avais un peu mal à la tête, là, ça va à peu près. Bon, c'est beaucoup moins mal à la tête que comme j'avais avant. Mais bon, c'est pas cool quand même. Et sinon, le colis que j'attendais ce matin, je suis dégoûtée que j'étais pas là en fait. Quand ils m'ont appelé, vraiment, j'étais dans la voiture, j'étais partie il y a pas si longtemps que ça. Et c'est un colis que j'attends énormément depuis un moment, vraiment très 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 longtemps. Du coup, normalement, ils nous mettent à la poste, et... mais j'ai peur que ce soit peut-être un colis lourd. Donc voilà, et là, le colis, c'est un colis. My Protein. Donc il y avait ça en cadeau dans toutes les commandes. Organite, chocolat au lait, pumpkin seed. Je crois que c'est des graines de courge enrobées de chocolat au lait. Et j'étais plutôt contente. Graines de courge bio, chocolat au lait, ouais c'est ça. Ça a l'air plutôt pas mal, du coup je vais goûter. Ensuite j'ai que des vêtements de sport je crois. Oui c'est ça, que des vêtements de sport, donc je vais ouvrir et vous montrer. Bon, je vous pose là, alors, premier truc, j'ai pris un débardeur blanc. Donc il est comme ça, tout simple, et en fait derrière il est croisé dans le dos. J'ai pris en taille M parce que je sais pas si vous avez déjà vu, mais sur mes photos Insta, j'aime bien en fait prendre des gros, enfin des débardeurs assez larges, et les nouer en bas, en fait je trouve ça plus joli. Du coup c'est pour ça que j'ai pris la taille M. Ensuite j'ai pris le même mais en noir, donc pareil tout simple noir, croisé dans le dos. Ensuite j'ai pris un ensemble de sport qui était dans les nouveautés mais la brassière m'a l'air hyper hyper grande. J'ai pris en taille M mais je sais pas, ça m'a l'air vachement grand. Et celle-ci elle a pas d'espèce de rembourrage ici et moi ça m'embête un peu, enfin je trouve ça tient moins bien du coup, enfin voilà. Mais là ça m'a l'air vraiment grand. Il y a certaines brassières en M, elles me sont à peine grandes, mais là, ça a l'air. On verra bien. Il y a le legging qui allait avec, donc qui est de la même couleur. Et il est un peu en...
en transparence là, sur les côtés. Je sais pas si vous allez voir la matière. Donc voilà. J'espère que c'est un legging cool. En tout cas, il est bien fluo là. Il est sympa. Et ensuite, je pense que ça va être un de mes préférés que j'adore. Il a la même forme que ceux que j'adore de chez MyProtein. Donc il est gris comme ça. Et je sais pas si vous allez voir, mais ça fait un espèce de dégradé gris en fait sur la manche. Sur la manche. Sur la jambe, pardon. Je l'ai pris en taille XS et ouais, je sais pas si vous allez voir. Mais il a la même forme ici en fait. C'est à dire qu'il est bien resserré à la taille et un peu plus large au niveau des fesses. Et je trouve que c'est les formes qui mettent le mieux en valeur. Et avec, il y avait la brassière. Donc que j'ai pris en taille M et que cette fois-ci je sais que ça m'ira. Ça se voit et bah c'est les mêmes couleurs. Et cette fois-ci il a un petit... enfin c'est pas vraiment un rembourrage, c'est un genre de... une genre de coque en fait. Comme ça on voit pas à travers et puis ça tient mieux je trouve. Donc voilà, je pense que celui-ci je vais le mettre très très bientôt. Voilà, parce qu'il est très joli. Pour l'autre je vais voir si ça me va. Et si ça me va pas, je pense que je vous la ferai gagner. Voilà, plutôt que de renvoyer. Généralement je vous les fais gagner. Comme ça vous êtes content et moi ça me fait plaisir aussi. Et je vais goûter ça du coup. Il y a mon film qui est en train de défiler en silencieux. Je le remets depuis le début. Voilà. Le genre de truc, tu commences à manger, tu peux pas t'arrêter. J'essaie de vous montrer comment c'est à l'intérieur. Ouais, pas grand chose, mais ouais. Du coup, c'est une graine de courge à l'intérieur. C'est trop, trop bon. Je savais même pas qu'ils faisaient ce produit sur le site. Du coup, je l'ai vu puisqu'il était en cadeau. Il y avait une offre. Mais c'est trop bon. Je vais vite arrêter d'en manger parce que sinon, je finirai pas quand même. Hop, c'est l'heure du goûter. Bon, les gars, je vais vous laisser. Il est 18h. Je vais finir mon petit film, ensuite je vais me doucher, tout ça, puis après ce sera bientôt l'heure de faire à manger pour demain. Enfin voilà, demain je suis de matin, dernier jour de la semaine, c'est passé super vite. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlog.